Mais sur le proviseur, tu veux du shit? Tiens, mange mes fesses, tiens, mange mes fesses, mange mes fesses, tiens. Monsieur, monsieur, je peux l'accompagner, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, je peux l'accompagner. Alors, Kara, on a un gros cul, alors on n'arrive plus à courir. Oui, allez, laissez parler le proviseur, là, vous êtes un peu... Putain, il y a le directeur, les frères. Et voilà, il a un beau cul quand même, hein. T'es ma de dos, là, machallah. Eh, hey, je savais pas que c'était Michael Jackson, le proviseur. Oh, beau gosse. Michael Freeman. Oh, beau gosse, notre proviseur. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va commencer par un petit quelque chose ici. Vous êtes pas au cirque, là, hein. Vous croyez aux bandes de petites racailles, là. Vous croyez vous allez crier comme ça. Il va falloir vous calmer. Maintenant, c'est la rentrée, hein. Alors, vous allez calmer vos petites fesses, là, vos petites miches, les petits de cul blanc, là. Et vous allez vous calmer un petit coup, là, hein. Maintenant, c'est l'école. Bonjour, bonjour, mes petits enfants. Bonjour, comment monsieur, ça, monsieur le proviseur. Bonjour. Monsieur le proviseur, tu veux du shit? Monsieur le proviseur, on peut prendre le magico bus. Qui a dit ça? Qui m'a proposé un petit peu de shit, là? Dites-moi. Dites-moi, qui m'a proposé un peu de shit? Oui, oui, c'est juste moi. Non, amenez-le-moi. Amène-moi, viens avec moi. Viens, mon petit. Allez, avance, toi. Et en direction, on va rentrer pas mal proviseur. Alors, le petit va partir au col, il va partir en haute tenue directement. Allez, on va commencer la rentrée gentiment. Bienvenue à vous. Je vais vous présenter les professeurs et je vais vous présenter vos petites classes tranquillement là. Et on va, attendez, hop, et on va y aller tranquillement parce que ça devient déjà le bordel. Ça fait même pas 5 minutes, c'est la rentrée. Fais gaffe, regarde sous ta jupe. Oui, fais gaffe, c'est un botch. Et alors on va présenter notre chauffeur au début, c'est surveillant également, et c'est celui qui vous conduira lors de vos sorties scolaires, tout là là. C'est fier de toi. C'est moi-même. Gros porc. Voilà un petit mot peut-être pour nos étudiants. Vas-y, ferme-la gros, t'es sérieux là, il y a le directeur, il parle et tout, monsieur le directeur, faites quelque chose. Eh, faites quelque chose, il est casse-couille le voisin à côté. Elle a la tête de ma mère, tu vas fermer ta gueule. On n'est pas en maternelle ici, hein. Et je te jure, il rend fou. Vous êtes là pour apprendre. Vous êtes là pour apprendre vos métiers et... qu'on est en maternelle. C'est qui vient de siffler là? Arrête de déconner là. Dans 3 minutes, je vais commencer à faire prendre la porte. Je vais contacter vos parents ou et hop, c'est parti, vous partez, vous prenez la porte. On va renvoyer à la maison, hein, c'est pas grave. On a renvoyé un déjà là, on va renvoyer d'autres. On n'aura plus d'élèves, c'est pas grave, hein. Moi je m'en fiche. Ah non, votre papa il m'a donné un bon chèque. À droite là-bas. À votre gauche, à vous, pardon. À votre gauche, à vous là-bas. Ensuite, le petit là, le petit chinois un peu bizarre là qui vient des bacatiques avec ton camarade là-bas. Oh. Ah pardon. Avec ton camarade là-bas. Excusez-moi monsieur le directeur, Paul de Carotte, je mets où? Ensuite. T'as toujours le shit? Non, j'ai pas de shit frère. Ah si, attends, t'es sérieux? Je vais chercher. Hein? Non, mais je rigole, j'allais l'arnaquer en fait, j'allais lui donner Caramba. Mais j'ai pas de cheat, vous pouvez me fouiller. Y'a pas de cheat ici, y'a pas de cheat. Non, mais je rigolais, mais parce qu'il est petit, j'allais lui donner un Caramba. La vérité, l'autre là-bas, je sauve là-bas tout à l'heure, il a parlé de cheat toute la soirée, hein. Il a dit demain je remets de la frappe. Ouais, monsieur, j'ai rien fait, c'est lui, il vient, il me parle et tout, moi je lui ai rien demandé. Il était trop chaud. Eh, j'ai rien demandé, tranquille. Vas-y, mais je l'ai fait, tes pompes, c'est bon, wesh. De toute façon, c'est quoi 20 pompes là? T'as cru quoi, t'es... Oh, un pont pour du shit. C'est lui, collègue. Oh, bonjour. C'est qui va vendre du shit ici? Ah, c'est pas moi, je vous jure, sur la vie de ma mère. Enfin, de mon père plutôt, parce que ma mère, je la connais pas. Ah, y'a tout le monde, il s'est mis là-bas. Je vous demande pourquoi, hein. Ici, c'est les pétés de thunes, là. Et les gros boutonneux, aussi. Oh, non, mais toi, tu peux te taire, hein. C'est vraiment parce que t'as un pété de thunes que tout le monde est un pété de thunes. Oh. Alors, tu la fermes. D'accord, et tu vas retomber. Arrête de crier là, tes oreilles, Yannick. Tu fais mal aux oreilles, gros, la vérité. Il est en train de boutonner parce qu'on grandit plus que toi, je sais pas, réfléchis, Google. Oh, tu vas la fermer, ta bouche un peu là. Vas-y, tranquille, arrêtez de vous embrouiller tout le temps, wesh. Oh, tous en ligne, dépêchez-vous. Des où? Wesh, tranquille, on se calme. Ça va passer par-dessus la troisième corde, tout ça. On doit tenir toute une année ensemble. En ligne là, mettez-vous en ligne, bande de cons. Ah, vous êtes sérieux? Vous êtes ma classe? Oh non, c'est mort, je veux changer.
Non, c'est mort, oh. C'est mort. Mets-toi en ligne avec les autres avant que je te... Vas-y, va demander à tes parents. Ouais, déjà lui, ils vont payer encore. Regarde ses cheveux, s'il te plaît. Ah, t'as cru j'avais payé 20 000 boules pour ça? Enfin, mon père. Monsieur, et monsieur, et monsieur le proviseur, vous avez vu? Regarde les cheveux à lui. Il traite mes cheveux, wesh. Vas-y, c'est des poulets, ils vendent du shit en plus. Vas-y, je reste pas là, moi. Pas des colonnes. Oh putain. Vas-y, lui j'ai envie de... Gros, s'il te plaît, retourne en primaire déjà. Laisse-moi aller poser une question alors. Une question, oh, la vérité, en reste classe, d'où tu frappes les gens comme ça? Mais l'autre classe, elle a l'air grave mieux, wesh. Moi, je vais aller dans l'autre classe, wesh. T'es mort. Attends, là, je suis sûr, ta tête, elle me dit un truc. Je t'ai pas vu sur des photos, toi. Tu vas voir, mon père. J'ai l'impression on est des sept pas, wesh. Tu vas voir, toi, mon père. Va te défoncer. Allez, monsieur l'agent. Moi, je suis tombé avec les sept pas en tête, mon frère. C'est un truc de ouf. Et en plus, c'est un albinos. Qui a dit ça? Qui a madame? Avance-toi, dépêche-toi. Ok, madame, tu l'as appelé. Regarde sa tête. Eh, mais toi, tu vas la fermer, ma tête. Arrêtez. J'ai payé 20 000 balles l'année. Allez, tous en position pompe, dépêchez-vous. Il est sérieux? Pourquoi on fait des pompes? C'est la rentrée. Moi, je fais pas de pompe. Oh, dépêche-toi. On est même pas en tenue de sport, wesh. Il est sérieux là? Moi c'est mort, je fais pas de pompe, moi je m'assieds. Ah c'est les flèves, moi. Faites des pompes. D'accord, Allez, tu te lèves, dépêche-toi. Eh mais voilà, c'est quoi cet établissement? Moi je m'assois sur lui là. Ah mais la vie de ma mère, moi c'est mort, je fais des pompes. Vous pourrez où je paye la pompe? On dirait des chantouilles. Eh monsieur le prof, je sais pas c'est quoi votre nom, mais regardez là, y'a Vladimir Poutine, il se pose jamais. Il fait jamais des pompes. Oh toi, dépêche-toi. Hein, regardez, il fait pitre là dans votre dos, l'autre là-bas. Oh, dépêche-toi de te mettre en position pauvre avant 10 minutes. Eh, mais mettez-le en col, ma tête. T'es dit de faire des abdos, toi. Moi, je peux pas de sport. C'est bon comme ça, monsieur. C'est bien. Oh. Monsieur, entre moi et mon Samuel. Voilà. C'est bon. Voilà. Une belle ligne. Toi, tu te rapproches encore. Voilà. Voilà, là. Oh, monsieur, ça fait un mètre là. Je veux pas critiquer, mais voilà. Qui a dit ça? C'est moi, monsieur. Je vais en retenue. Non, mais j'ai rien fait, je suis gentil depuis tout à l'heure. Eh, le premier truc que je dis, je vais en retenue. Ah non, vas-y, c'est mort, j'y vais pas, voilà, j'y vais pas. Ça va? Eh non, t'es fou, toi, c'est bon. Eh, je suis gentil depuis tout à l'heure. Prends-le par le bras. Je suis gentil depuis. Eh, mais j'ai rien fait. Eh, mais s'il vous plaît, wesh, je suis gentil et tout. Genre, je dis un truc, ça y est. L'autre là, le fils de riche, il fait chier tout le monde et. Ok, vas-y, c'est comme ça. Wesh, aïe. Wesh. Voilà, je vais le dire au directeur. Voilà, tu vas être dans la merde. Voilà, tu m'as frappé, tu vas être dans la merde. C'est pas lui qui aura une faute. Hein. Bon, toi, tu t'assieds maintenant sur le banc tout de suite. Ah, c'est bon, j'y vais. Maintenant, je vais vous prévenir à tous. Hein. Celui ah, mais moi, le prof de sport, il me veut pas dans son cours, du coup, il m'a dit de revenir. Non, mais je parle d'aujourd'hui et de demain. A few moments later. Monsieur le directeur, moi je vais vous parler. Ah, vas-y, il s'est barré, vas-y. Parce que maintenant ça allait rainer. C'est vous qui nous avez imposé cette nuit, c'est pas moi. Hein. Attendez, on va peut-être faire quelque chose. Toi petit là, viens avec moi, viens me voir dans le bureau petit là. Je vais prendre ce petit là. Ah, c'est gentil monsieur. Viens avec moi petit. La prochaine fois je vais ramener un taser avec toi là. Lève ta tenue là, viens me voir, je veux te parler moi. Où tu vas prendre trop cher? Tais-toi, Vladimir. T'as fini de parler pour rien, toi? Surveillez-le bien, ce petit-là. Je connais très très bien son père. C'est un artiste. Son daron, c'est un artiste. Oh, vous avez un très beau bureau, monsieur le directeur. Je vais t'amener dans l'autre classe. Après, je dois travailler. Viens avec moi, petit. C'est quoi, descendez. Ah, c'est toi, là. Tu m'as frappé, là, en plus. Et toi, descends. Toi, t'es un prof. Voilà, tu sais pas faire cours. Tu m'as frappé, ouais, j'étais sérieux. Vas-y, je descends, mais t'inquiète pas. Un coup de pied au cul, toi. T'inquiète pas. Oh là, faut descendre, mon petit là. Vas-y, occupe-toi de moi. Regardez comment il me parle, monsieur. Regardez, monsieur le directeur, devant vous, vous avez vu. Écoutez, il faut faire la discipline, c'est un surveillant quand même. Il faut écouter le surveillant quand il te dit on descend les marches. Apparemment, il va s'occuper de moi. Vas-y. Mais non, mais il m'a tapé, monsieur, tout à l'heure. C'est lui qui m'a tapé. Attendez, normal que je vienne me plaindre. Ah, c'est le professeur aussi. Il donne le coup, hein. Eh, mais j'avais rien dit, j'avais juste dit genre... Je voulais juste te pousser, après ça c'est mes muscles qui ont mal réagi, mais si tu... Bah tu t'excuses alors, c'est la bande des choses, je sais pas, je vais pas t'apprendre... Tu ne respectes rien. Pourquoi j'ai tout respecté? Vas-y, c'est bon, tu sais quoi, j'ai pas envie de m'énerver, vas-y, rentre chez toi là, avec ta tête là.
monsieur le directeur. Vas-y, rentre chez toi avec ta tête, t'as dit ça au prof, gros, t'es sûr? Eh, je m'en bats les couilles, gros, il me casse les couilles celui-là, je te jure, j'ai envie de lui niquer sa mère. Je te jure, il fait trop le ouais, fou, c'est pas le seul, gros. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, le principal. Il m'a dit, ouais, la prochaine fois que je te vois en retenue, paf, je t'expulse de l'école. Eh, hey, toi, t'es dans notre classe, toi, maintenant, non? Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais, je viens d'arriver. Monsieur Mokat, reculez. Qui est d'autre à soi? Moi, je m'appelle Mohamed. Mohamed Couscous. Mohamed, Ouais, je suis en train de donner. Ouais, ouais. On va discuter. Je voulais te dire quelque chose. Parmi vous, quelqu'un a soif ou quelque chose comme ça, c'est bon? Non, je le connais. Il nous a déjà donné. Je le connais même pas, wesh, il veut me parler. Vas-y, viens, t'es où? On voit le rempart. Revenez, on sort. Ouais, qu'est-ce que tu veux, gros? Alors, écoute-moi. Bon, dans notre classe, il y a un mec qui fait le show. Voilà, lui, il est avec nous, viens, viens. Ça, c'est notre groupe. Lui, il est avec toi, lui, avec sa tête là. Qu'il parlait tout à l'heure, wesh. T'inquiète, c'est bon. Il m'a cassé les couilles, lui. Voilà, tu m'as cassé les couilles tout à l'heure. Ah non, c'est pas toi, c'est un autre. C'est un autre, non? T'étais dans l'autre classe là aussi tout à l'heure, toi? Oui, lui. Non, lui, il est dans notre classe. Ok. Nous tous, on est dans la même classe. Il y a un mec, oh là, il a fait le show, il a plaqué notre pote. Notre pote, c'est un boutonné, il est un peu moche, mais c'est notre pote là, il est pas là, il est parti manger. Comment ça, il l'a plaqué? Il a fait le truc de rugby, je bam. Ouais, il l'a plaqué au sol, tombe. Il a plaqué le sol. Fils de pute, vas-y, viens, on va le balayer, mon frère. On va le balayer. Attends, j'ai une idée. On va aller au poste déjeuner pour la cantine. On va voler. Ouais, du coup, ouais, t'as vu dans Fortnite, il y a un nouveau skin et tout, t'as vu, c'est machallah et tout, ouais. Ouais, à la cantine, on va voler un couteau. On va voler un couteau et on va mettre dans son sac à dos et on va le faire niquer. On va dire, ouais, il a un couteau, il va se faire niquer. Il faut pas prendre un couteau sur notre assiette, hein. T'as un couteau, il faut prendre. Vas-y, on met du shit dans son sac, au pire. On met du shit dans son sac, mon frère. Attends. Et après, on dit que c'est lui, il vend du shit. T'as du shit, toi? Mais d'où? Quoi, t'as du shit, toi? T'as du shit? Ah non, j'ai pas de shit, mais on prend des carambars caramel, mon frère. Ils vont pas voir la différence. Il y a que le couteau qu'on peut mettre, alors. Mec, si on peut avoir du shit, par contre, on peut se faire des couilles en or. Vous avez pas un peu de connaissances? Bah ben, moi j'aimerais bien, moi tu vois, moi je connais des gens dans mon ghetto et tout, mais ici je connais personne, mon frère. On peut pas avoir un peu de... Faites quoi là? Ah ouais, mon pote, Rico, moi aussi, je veux Nico, t'es là, Nico. Il faut que je veux bien que t'aies juste à boire, s'il vous plaît. Venez, Venez, allez-vous dans votre classe, on est ensemble, venez. Faut venez en... Il m'a tapé. Putain, c'est impossible de parler tranquille, frère. Voilà, venez. Et c'est un truc de fou. Nous, on est ensemble, nous cinq, on est ensemble. On est les clubs des cinq maintenant, à partir de maintenant. On est ensemble, d'accord? Caroul. Mohamed. Ouais. Ouais, Mohamed, je sais que toi, t'as dit que t'as des connaissances en dehors du cap des établissements. Ouais, j'ai l'habitude. Mec, hey, tu vois que ça mère. Ils en veulent du shit. Ils veulent consommer. Y'a moyen qu'on fait de la toune. Ah, j'avoue, moi je suis un peu en manque là, mon frère. Faudrait organiser un évasion de. Un soir. Quand l'établissement sera fermé, faudra qu'on s'évade. Et on va chercher du shit. Mais par contre, lui avec sa gueule de boutonné, j'ai pas trop confiance en lui, mon frère. T'es sûr que tu veux rester avec lui? Mais lui qu'on va vendre à la copine. On va le vendre, mais lui. Arrête, tu parles, toi. Vas-y, regarde avec ta montre jaune là. Tu sors d'où là? Vas-y. C'est lui qui s'est fait frapper tout à l'heure. Ah, c'est lui. On va le venger. Ah, ok. Je savais pas. On va le vendre tout à l'heure. À Mehdi. N'oubliez pas le plan. Le couteau. Le couteau. Mais va voir l'infirmière, on n'est pas infirmière, nous, putain. Bon, écoutez-moi bien, si
dis à chaque fois que vous prenez une droite hein. Parce que quelqu'un a glissé et que vous commencez à pleurer, croyez-moi, vous allez vous faire manger dans la ville. Donc ressaisissez-vous et... Voilà, voilà. Donc va prendre un Doliprane et trace ton chemin, tu vois. Je t'aime bien, toi, t'as l'air d'avoir des couilles. Non, je te fous un coup de tête. Tu vas voir. Vas-y, vas-y, redis, vas-y. Vas-y, vas-y. De mécanique à la classe 1, retournez. Oh vas-y, oh ça sonne. Ah bah attends. Eh nique sa mère, ça passe trop vite, wesh. On a un cours de médecine. Deux par deux, vous faites deux belles lignes. Ok, Enzo, viens. Les uns derrière les autres. Oh, je suis là. Elle est où ma classe? Et vous vous dépêchez. Ah, t'es dans ton choix. Vas-y, wesh, moi je veux pas être à côté de monsieur propre, hein, je vous le dis direct. Silence, les gars. On... Pas dans sa classe. Voilà, faites un groupe de deux. T'es sûr de toi? N'oubliez pas, les gars, on est les meilleurs élèves. C'est mon ami. Ouais, les meilleurs. Placez-vous. C'est le sang de la veine. Mettez-vous par deux. On se calme. Oh, les secs pas là. Vous vous dépêchez à vous mettre par deux là. Comment ça, les secs pas? Mais tu te creux pour qui? Oh là là, lui, il va se prendre une heure de colle. Il va rien comprendre à sa gueule, mon frère. Allez. Je vais suivre le secours. Allez. Et l'autre classe, voilà, c'est des secs pas, je te jure, mon frère. C'est quoi de police? On se calme. Attention, on va aller à la... Tous dans la salle, okay. Ici. Suivez. Vas-y, moi, je veux une place au fond, ouais. Je peux savoir pourquoi je suis planté dans la salle. Tu fais un petit saut. La boutonnette, ta place, elle est devant, frère. Elle est pas derrière, hein. Bon. Non, je rigole. Si tu veux, mais tais-toi. Ouais, je rigole, tranquille, ouais. Monsieur, là-bas, avec les cheveux violets, assis... C'est un moldu, je m'occupe de lui. Ah, d'accord. Hey, y'a un nouveau dans la classe, je l'ai pas vu avec sa petite tête là. Oh, c'est qui me parle comme ça, wesh? Bon, j'ai pas une petite tête, tu vas te calmer direct, mon pote. Bienvenue. Oh, on va se taire. Oh, désolé, monsieur. Celui qui parle, je mets retenu tout de suite, ok? Vous vous taisez maintenant quand le prof il parle, d'accord? Je me présente, je vais être votre prof de police pour cette année. Donc je suis le capitaine Wolf de la police de la ville. Donc je viendrai bien sûr ici de temps à autre pour assurer justement les cours de police. Donc vous allez faire durant ces cours beaucoup de juridique, des droits, et vous allez apprendre les diverses procédures qu'il y a à savoir pour être apte à devenir cadet au sein de la police. Ah monsieur, j'ai pas de stylo, monsieur, j'ai pas de stylo. Allez vous asseoir, monsieur Cho. Allez vous asseoir. Oh monsieur, il a un problème là, le rouquin, il a un problème. Monsieur, je peux l'accompagner, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, je peux l'accompagner à l'infirmerie. Non, vous l'accompagnez. S'il vous plaît. Il est mal, regardez le pot. Occupez-vous de remplir votre feuille. J'ai pas de stylo, il me faut un stylo, monsieur. Il y a moyen que tu la fermes depuis tantôt, t'es en train de parler, toi. Non, je... Donc, il t'a dit de remplir ta feuille, tu remplis ta feuille. Voilà, j'avais pas de stylo, comment je la remplis sans stylo? Tu vas aller voir le fermier. C'est bon, je vous en ai donné. Très bien. Monsieur policier, moi j'ai une question, je vois que cette question, ils m'ont pas posée. Est-ce que vous avez des mots spéciaux dans la police qu'on devrait peut-être apprendre? Genre. Tais-toi là, y'a le prof qui parle là, ta gueule wesh, y'a le prof qui parle. Très bien, expliquez-moi votre version. On peut pas faire des tirs de sommation, monsieur. Vous n'avez pas le droit de dépasser le véhicule tant que la personne en question qui est dans le véhicule volé ou pas volé, qui a fait un délai de fuite, n'a pas abîmé. La chaussée non mais j'ai pas fait exprès, monsieur. N'a pas fait de dégâts sur d'autres personnes. Vous devez rester derrière. Mais vas-y, wesh. Jusqu'à ce qu'il fait un dégât. Tu viens devant. Ensuite, vous avez le droit de le dépasser. Pour qu'il s'arrête, s'il ne s'arrête pas. À ce moment-là, vous pouvez tirer, mais en sommation. S'il ne s'arrête toujours pas, vous avez le droit de tirer dans les pneus. Alors. Eh ben, on va vous réexpliquer ça. Et on va vous réexpliquer ça comme il faut. Monsieur Kay. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris maintenant ici une personne, peut-être faire une petite simulation d'otage, peut-être. Oh, moi je suis pas une tâche, wesh. T'es en train d'être tâche. Ouais, je suis pas une tâche, wesh. Une prise d'otage, pas de tâche. Laissez parler monsieur le capitaine, s'il vous plaît. Imaginons que monsieur Luigi veut entamer des négociations. Donc... Attendez, il va terminer. Hey, vous sortez pas, il va terminer.
Il y a le boutonneux, il s'est barré, monsieur. Il y a le boutonneux, il s'est barré. Moi, j'ai faim, monsieur. Je dois manger. Arrête. Mais vous êtes tous punis pendant une minute. Vous allez rester tous assis à votre place et on ne veut rien entendre. Quoi? Ça vous apprendra. Moi aussi, je vais à ma place. Ça vous apprendra. On veut rien entendre, on a dit. On veut rien entendre, plus vous allez parler. Rien entendre. Personne pose de questions, plus, personne rien. Plus vous allez parler, plus vous allez parler, plus vous allez rester ici. Eh, hey, y'a le rouquin là, il s'en sort pas. Vous, taisez-vous tous, c'est bon, taisez-vous. On va tester votre patience. Moi j'ai faim, j'ai envie d'aller manger, c'est bon, taisez-vous. Ouais, silence, allez. Vous avez le droit de manger, par contre, votre... hein. Mangez, buvez, vous pouvez. On parle plus, silence. Ah ben, une minute de plus. Merci, merci à vous, monsieur Carotte. Ah si, il est relou, Carotte. Voilà, une minute de plus. Merci, l'autre moche derrière. Continuez, ah, les gars, le bâtard. J'ai rien à faire, moi. J'ai tout mon temps. Et derrière aussi. Eh mais lui, il est parti, wesh. Il est parti, oui, pendant que vous parliez et tout. D'accord, ouais. D'accord. Rassiez-vous. Rassiez-vous. tu te rassis, toi. Toi, tu te rassis. Ouais. Tu te dépêches, tu te rassis. Et les trois perturbateurs qui sont là, privés de récréation. Voilà. Mais vous pouvez manger, boire. Comment ça, privés de récréation? Je suis pas un perturbateur, monsieur. Privés de récréation. J'avais un problème, je suis là. Monsieur, s'il vous plaît. C'est le premier jour. Je vais vous montrer qui commande. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Mais voilà, ça se fait pas, monsieur. Tu fermes ta bouche. Je vais te mettre une heure. J'avais un problème de cerveau, monsieur. Je vais te mettre une heure, toi. Tu comprends que je vais te mettre une heure? Tu restes assis, tu bouges même pas. Alors, qui est-ce qu'on nique là? Qui est-ce qu'on va niquer, les gars? Qui est-ce qu'on nique? Le Rasta là! Moi je veux niquer l'autre là, le Cyril. Le Cyril là dans la classe là. Lui j'ai envie de lui niquer sa mère, il fait trop lourd. Les gars. Lui on va le raqueter, lui. Lui on va le raqueter. Eh voilà, je vais lui mettre un coup de pression à lui, il va rien comprendre à sa vie. Rasta d'abord et après. Vas-y. On le fout. Vas-y, ça marche. On fait un. Y'a R. Ah salut! Non, pas moi! Vous avez fini? Le bon! Comment? Cara. On appelle Cara. Et pourquoi quand je t'ai dit bonjour dans le couloir tout à l'heure tu m'as pas répondu? Je te fais peur ou quoi? Parce que tout le monde... Non, parce que tout le monde parle, j'entends jamais rien. Ouais, c'est vrai, c'est chiant ça, j'avoue. Y'a tout le monde qui parle en même temps, ils font mal aux oreilles les gens. L'oiseau est dans le ou quoi les gars? Le ton est dans la Catalogne mon pote. Tu crois toi? Bah, je sais pas, hein. La clé est dans la soupe. Je sais pas. Crois. Et regarde, hein. La clé est dans la soupe. Le cabot est dans le tabac. Non mais merde, j'ai dit la merde. Le cabot il est dans le qui mon frère? Le cabot est dans le qui? Et ouais mon frère. Le cabot. Ah ouais, le boutonnet tu vas direct, vas-y, tu connais même pas son prénom frère. Arrête de faire ton puceau la boutonnet. Elle veut un vrai homme comme moi, quoi. Mais pourquoi vous m'appelez? C'est moi le plus ça, beau gosse ici, là. Ouais, on va dire ça. Poupée, regarde-moi. Hop, hop, hop. Eh, viens avec moi, là. Viens, mon petit, là. Petit. On n'a rien là, fait, c'est un truc de jeu, là. Ça me faisait... Viens me voir, là. Et surveillant, viens avec moi, on a un petit les gars, problème. Parce que ça peut pas rester entre nous, ça. Parce que c'était trop grave. Non, mais t'as bien fait, mon frère, t'as bien fait. Viens me voir, là. Bah on était menacés, nous tous on a été menacés par un couteau parce que. Un couteau de mec, il a voulu une baguette avec un couteau. Oui, je savais pas comment réagir, il a dit. Eh, t'as bien fait, un surveillant. Viens avec moi, le surveillant, on a un petit problème. Quand il nous plante, putain, monsieur, il a des potes, il va nous planter, monsieur. Non, vous inquiétez pas, les sanctions sont reprises. Eh, je lui envoie un scooter dans la gueule, mon père. J'espère qu'il va être renvoyé de l'école, hein. Pour des trucs comme ça. Ôtez-moi, wesh, l'autre il a volé. Bande de baltringues là. Vous arrivez là, bande de baltringues. Mécanique. Ouais. Allez, dépêchez-vous. Bon, allez, on va écouter là 2 minutes. Les petits, on écoute. C'est stylé ici, hein. Papa. Voilà, vous me faites là, pour s'échauffer là, vous me faites 3-4 tours de la piste. Oh, allez, c'est pas qui là, y'a pas de. Vas-y, allez, le dernier qui arrive, c'est un PD. Vas-y, dis que ça meurt, je vais couper, je m'en bats les couilles. Ouais, y'a pas de triche avec moi. Allez, Issa, dégage, c'est qui le premier? C'est Bibi. Eh, je suis premier, t'as vu cet athlète?
Regardez, monsieur le directeur, je suis Usain Bolt. Je t'en courage. Je suis le premier. Oh, ouais, ouais, moi je suis content. Écoute, moi je vais t'inscrire à l'université là. Cours, mon petit, cours encore. Alors, Kara, on a un gros cul alors on n'arrive plus à courir. T'es vraiment bâtard, mec. Alors, Kara, t'as un gros cul. En même temps, on le fait trop lago. Et voilà, premier, monsieur le directeur. Allez. Allez, faut courir. Bravo, là, mon petit. Bravo. Allez, c'est allez, moi allez, le premier. Là, futur champion. Allez, le petit, là, on en tout tient les coudes. Tiens, mange mes fesses, tiens. Mange mes fesses. Mange mes fesses, tiens. Oh, putain, toi, tu vas courir. Là, je te pète dessus, tiens. De vous, les petits. Waouh, waouh. Moi, je veux pas tourner dans vos histoires, là. Allez, maman. Allez, maman. Maman, allez, allez, allez. Allez, c'est bon les jeunes, c'est parfait, allez, c'est pour le sport là. Allez, toi mange mes fesses maintenant, toi mange mes fesses. Vas-y, casse-toi, wesh, tu pues du cul, wesh. Oh, t'as pas demandé de patauger. Mange mes fesses, toi, maintenant. Vas-y, rentre chez moi. Tiens, monsieur propre, tu veux nettoyer mon cul. Wesh, tu t'es défoncé. Wesh, t'es sérieux, toi? Oh, vas-y, viens là, fils de pute. Vas-y, viens là, fils de pute, va. Tu vas voir, tu me tapes, t'as cru t'étais qui, là. Vas-y, mange tes morts. Wesh, il t'arrive quoi, wesh? Vas-y, rentre chez toi, là. On tape pas les filles. Ma merde, ouais. Wesh, mais c'est elle, elle nous tape, wesh. Oh, non, t'as peu. Wesh, mais... Non, ils nous ont frappé. Vous mais c'est elle, elle a tapé. Wesh, c'est elle qui a commencé non, à taper, wesh. Tout le temps, nous. Théo, ils ont commencé à taper. C'est elle qui a commencé à taper, wesh. Il est sérieux, lui. Mais vas-y, moi, je vais pas en retenue, vas-y. Mais... Rentre chez moi, toi, wesh. Moi non plus. Ah, non plus. Vas-y, moi je me tire, mon frère. Oh, barrez-vous, barrez-vous. Wesh. Oh. Tu viens, je te tiens par les bras. Par les bras, je te tiens par les bras, tu viens, tu viens, tu viens. Vas-y, putain, casse les couilles là. C'est bon, allez, allez, rentre là-dedans, toi. Allez, pousse-toi. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. A few moments later. C'était une bien belle one-way en tout cas pour moi, c'était sympathique d'être avec vous. Et à bientôt mes petits. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur. À bientôt. Au revoir monsieur. Ouais voilà, je vais prévoir quelques petits trucs là pour la suite là, pour qu'on s'amuse un peu plus, tu vois comment. Ça j'aime. Hein. Ouais t'inquiète. Vas-y, allez, va. À demain, les gars. Ouais, bonne journée à vous. Allez, c'est bien. À demain, les gars. Ouais.